Bonjour. Voilà, alors aujourd'hui j'ai un nouvel appareil que j'ai reçu hier. Et bah, le gros avantage, voyez-vous, c'est que je peux déjà pivoter sur les deux caméras. C'est pas mal. Donc je suis pas obligé d'arrêter à chaque fois l'enregistrement. Donc c'est un téléphone que j'ai commandé à Backmaster, un truc comme ça, à chaque fois le mot, je ne sais plus. C'est un site où on commande des téléphones reconditionnés. J'ai pris un Samsung 21, je ne sais plus quoi, S, un truc comme ça. Et donc, bah, je ne sais pas si la batterie est terrible, mais en tous les cas, ça me convient parce que je l'ai acheté uniquement pour faire mes sorties vidéo. Voyez-vous, là, on a entendu la cloche. Il est 4h30 et bah, le soleil va commencer à... Et hop, c'est là. C'est que, voilà, on peut faire des allers-retours comme ça, ce qui est bien pratique. Je ne pouvais pas le faire avec l'autre téléphone. De toute façon, c'est un téléphone qui ne sera consacré, qui ne prend pas beaucoup de place, qui sera consacré aux vidéos à l'extérieur. Ça va me permettre aussi, pour la première fois, de tester le micro, voir si c'est correct. J'ai pas besoin de mettre un micro, souvent ça suffit, le micro du téléphone. J'avais essayé d'accrocher parfois des micros, c'était bien pire. Ou alors il faut y mettre un prix fou, c'est quasiment le prix du téléphone. Un prix d'un micro de haute qualité, c'est quasiment le prix d'un téléphone. Donc c'est pas intéressant. Donc là, bah, il faut que je sorte parce que hier j'ai reçu des amis toute la journée. Et j'ai pas eu le temps d'aller voir Cannelle. Donc là, on va aller voir Cannelle. Elle va être affamée. Ceci étant dit, elle a un dévidoir de croquettes et tout. Elle ne manque de rien. C'est juste la petite friandise que je lui apporte. Heureusement que c'est pas à moi. Elle est quand même autonome. Ça fait comme ça. Ça fait 2 ans que ça dure. Donc, y a pas de souci. Et puis la maîtresse revient cette semaine. Donc, on ne la verra plus pendant un certain temps. Donc, oui, bah écoutez, je vous remercie tous ceux qui ont participé un petit peu en faisant des dons pour acheter ce téléphone. Bon, bah, ce téléphone... Ah, qu'est-ce qu'il y a du bruit? Je me demande si c'est pas des sangliers. Il y a beaucoup de sangliers en ce moment dans le secteur. Tous les champs sont ravagés. Ça ressemble à un sanglier, mais bon. On verra. En tous les cas, si je l'aperçois, je vous fais voir. Pas qu'il y a un zoom performant sur ce... Ah, tiens, la voilà, elle. Hein. Ah oui, ça, elle a entendu ma voix. C'est clair qu'elle approche. Ça permet de vérifier le zoom. Hein? Ah oui? Ah oui, on l'entend. Hein? Ah oui, j'arrive. j'arrive. On va s'occuper de toi. Bah oui, ça fait un jour que t'attends. Pas venu hier. Ah bah oui, hein. Eh oui. Eh oui. Hein? Arrive. Voilà. Ben oui, j'arrive. Hein? Allez, on y va. J'étais en train de faire les réglages. Bon, je pense qu'il y a des réglages que je connais pas là-dessus. Il faudra voir ça. Oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah oui, ça fait longtemps, hein.
Ah, j'en doute, elle cassera sur deux. Voilà. Bon, bah, écoutez, il n'y a plus qu'à faire. Hein? À la fin, hein? Ah là là. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette image? Mieux, non? On va voir. On va voir. Bon, ben nous, on repart. On repart sur notre chemin. La côte, elle monte. Hein. C'est pour ça que je suis un peu essoufflé. Mais il faut sortir, il faut s'aérer, parce que sinon, ça va pas. Il faut faire chez soi. Donc, voilà. Hop. On va voir ce que ça va donner en arrivant. On va voir ce que ça va donner. Je pense que la qualité est meilleure quand même. Je pense qu'on va avoir une meilleure qualité d'image. Et puis il n'est pas très lourd, donc c'est pratique. Pas très lourd le téléphone. Donc, vous savez, les derniers événements sont vraiment très troublants. On assiste à la décapitation d'un parti politique et c'est pas sans conséquence, évidemment. C'est pas sans conséquence. Alors, ce qui m'étonne, c'est que à chaque fois que il y a des événements comme ça qui se produisent, on n'en mesure pas les conséquences. Les gens réagissent souvent comme ça, chaud, avec parfois une certaine désinvolture, et n'ont pas forcément n'ont pas l'intelligence, voilà, disons le mot, pour imaginer les conséquences. Parce que si on fait ça à Marine Le Pen, on peut le faire à d'autres candidats politiques qui vous conviendraient mieux. Et si le système cherche à éliminer un candidat, c'est que ce candidat est gênant. Alors, il faut être cohérent. Soit le candidat appartient à l'opposition contrôlée, appartient au système, comme on dit, ou à l'état profond, et dans ce cas, il le laisse en liste. Soit le parti où le candidat ne correspond pas au profil du système et on l'élimine. Il y a plusieurs manières d'éliminer. Il y a comme ça, l'inéligibilité, pardon. Ou alors, carrément, vous tuez les gens, quoi. Un accident, un faux suicide, j'en sais rien, un cancer. Tout est possible aujourd'hui. Les services secrets peuvent très bien faire des tas de choses. Inoculer un cancer, tout ça, on sait que tout ça existe. Donc si on veut éliminer quelqu'un de gênant, on peut le faire. Trump, on a essayé de le faire, mais il a une puissance financière et aux États-Unis, il y a des contre-pouvoirs qui sont quand même importants, plus importants que chez nous. Chez nous, on est vraiment, on a des petits bras dans l'opposition contrôlée. Bonjour. Et donc, ça va, ils ne sont pas menaçants. Les Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, ils ne sont pas tellement menaçants, ces gens-là. Parce qu'ils ne représentent pas un danger, étant donné que ce sont des oppositions dispersées qui gèrent tous leurs petites boutiques. Et ils ne gênent pas le système. Par contre, le Rassemblement National, lui, tel qu'il était arrivé, pouvait commencer vraiment à faire trembler le système. C'est pour ça qu'aux dernières législatives,
se sont tous coalisés contre le Rassemblement National parce qu'ils estiment, que ça vous plaise ou pas, ils estiment que c'est un danger pour leur précaré. Et c'est comme ça qu'on élimine. Il n'y a pas de mystère, vous savez. Les gens qui sont gênants sont éliminés. Donc s'ils sont gênants, c'est qu'ils représentent quand même une certaine qualité. Moi, j'en déduis qu'ils représentent une certaine qualité. Mais s'ils ne sont pas gênants, vous en faites pas. Ils continuent à faire leurs manifestations, à faire leurs conférences, à rester en... à faire tourner leur boutique. C'est tout. Ils font tourner leur boutique. Puis en plus, comme ils passent leur temps à se critiquer les uns les autres, quand tu entends Asselineau qui parle de Philippot, bah, et quand tu entends certains représentants politiques critiquer, même être extrêmement virulent vis-à-vis de ceux qui pensent comme eux, tu te dis, ça, c'est formidable pour le système. Un panier de crabes qui s'entretuent comme ça entre eux, ça les gêne pas. Au contraire, ils s'auto-mutilent, ils s'auto-détruisent. Donc tout va bien. C'est pour ça que vous avez des boutiques qui fonctionnent. Alors ils ont leur donateurs, ils ont leur groupies, et puis qui leur sont dévoués, mais qui parfois sont dépourvus de discernement, aussi d'intelligence, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt du pays, ils ne voient pas l'intérêt global. L'intérêt, si vous voulez, c'est de faire masse et d'arriver à trouver quelqu'un qui fédère pour justement faire bouger le système. C'est ça, Trump. Trump, il est loin d'être parfait, évidemment. Il y en a qui disent « Ah, mais il n'est pas parfait ». Ben oui, non, il n'est pas parfait, idiot. Bien sûr qu'il n'est pas parfait. Mais au moins, il fédère, il faut... Vous allez, le candidat parfait, celui, c'est les premiers qui vont se faire avoir, ceux qui cherchent le candidat parfait. En fait, le candidat parfait, c'est celui qui cache le mieux sa vie, quoi. Donc, arrêtez de rêver. Le candidat, ça n'existe pas, un homme parfait. Donc, ça s'appelle faire un compromis, faire une alliance. Et ça, on n'en est qu'incapable. On en est incapable. On est incapable d'avoir une intelligence collective qui puisse dépasser nos a priori et nos affinités, nos propres affinités. Moi, j'ai une affinité pour Asselineau. Moi, j'ai une affinité pour De Villiers. Moi, j'ai une affinité pour Zemmour. Moi, j'ai une affinité pour Bardella. Moi, j'ai une affinité pour un tel, pour le capitaine Jevin Brunet, etc. Mais on ne va pas en sortir. Il va falloir trouver un candidat, un seul, qui fédère tout le monde. C'est ça la solution. Et moi, je pense que le mieux placé pour fédérer, c'est Philippe De Villiers, je le pense. Sauf que peut-être qu'il ne veut pas. Il ne veut pas retourner, mais si vraiment, vraiment la situation devient calamiteuse et qu'on est vraiment, vraiment dans une phase de totalement effondrement, c'est-à-dire tout part la faillite financière, tout part en couille, l'insécurité, etc. À partir du moment où on a une dérive en France qui est telle que la situation devient mais vraiment hyper calamiteuse, il faut trouver l'homme providentiel. Il n'y a pas le choix. Il faut en trouver un. Alors il y en a un autre, c'est Pierre de Gaulle. Ben oui, mais il n'a pas de parti. Vous voyez, c'est toujours pareil. Il faut bien voir que derrière, il faut un parti. Il faut une structure. La seule structure actuellement qui tienne la route, c'est le Rassemblement National. Sauf qu'ils ne vont plus avoir de candidat. Alors, comment ça va se faire ? Bardella, c'est mort. Il n'a pas du tout les qualités, il n'a pas pris des positions non plus courageuses pour fédérer toute l'opposition. Parce qu'il faut fédérer ceux qui votent Asselineau, ceux qui votent Philippot, ceux qui votent Dupont-Aignan, et voilà. Et ceux qui votent Zemmour. Donc ça fait beaucoup de personnes qu'il faut fédérer pour justement arriver à se débarrasser de cet état profond qui est un état corrompu, archi-corrompu. Donc moi je sais pas, mais on a intérêt à faire travailler notre intelligence collective pour justement trouver une solution collective. En sachant que vous n'aurez pas, ça ne sera pas parfait.
Mais ce sera toujours mieux que Macron, ce sera toujours mieux que ce qu'on a là. Mais c'est vrai que concernant Bardella, c'est pas possible. On ne peut pas. C'est mort d'avance. C'est mort. Les gens voteront jamais. Comme pour Bardella, comme président de la République. Ils en auront ras-le-bol des gamins. Et puis il n'a pas les épaules, il n'a pas pris des positions courageuses non plus. Il manque de couilles. Voilà. Donc ça va bien de faire des selfies avec les groupies, les minettes, mais c'est pas possible ça. Et on ne peut pas élire quelqu'un à cause de sa tronche. Il va falloir trouver un mec qui tienne la route. Ça, j'y reviens parce que c'est important. Mais je crois qu'il y en a beaucoup qui ne réalisent pas, qui ne sont pas encore dans la réalité. Ils ne réalisent pas la crise dans laquelle on est. Ils n'ont pas encore réalisé. Et donc, on n'est pas encore au fond. On n'aboutit pas au fond. Il faut une grosse crise politique et économique pour que les gens comprennent. Je le dis à chaque fois, je le répète. Donc là, Marine Le Pen, moi je serais elle, je censurerais le gouvernement, puis arrive ce qui arrive. C'est-à-dire là, elle devrait dire à ses députés de s'allier à l'FI, à la NPF, Nouveau Front, oui c'est le NPR, c'est NPF, je sais plus. En tous les cas, de s'unir avec ceux qui veulent censurer le gouvernement pour descendre le gouvernement actuel, créer une crise politique et essayer de provoquer la démission rapidement de Macron. Et là, du coup, il y aura des candidats qui devront se manifester. Puis peut-être que, je ne sais pas, il arrivera ce qu'il arrivera. Moi, je vais vous dire, hein, à tout choisir, je préfère Zemmour que Bardella. Zemmour, c'était, pour moi, ça a toujours été un bon candidat, mais il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs, il n'a pas su fédérer, il a merdé, quoi. Bah oui, parce qu'il était fort dans la critique, dans le commentaire, mais quand il s'agit de mener un parti et de fédérer, lui aussi, il a vérifié que ce n'était pas facile. C'est compliqué, mais c'est un bon candidat. Il est intelligent. Et il a des couilles aussi, plus que Bardella. Et il est plus proche, si vous voulez, de nos idées que Bardella. Bardella, tu sais pas, il est jeune, il est... Qu'est-ce qu'il veut? On ne sait pas, hein. C'est... Pour l'instant, on est encore très suspect concernant ses motivations. Alors que Zemmour, voilà quoi, il a aussi un capital intellectuel qui lui permet de tenir la route. Quoi. Et puis c'est fini l'économie socialiste. Il faut arrêter avec cette économie d'assistanat. Pas sûr qu'avec Bardella ça soit le cas. Donc du coup peut-être que Zemmour va relever la tête. Dans tous les cas c'est compliqué parce que son parti est bien esquinté. En tous les cas il faut que la crise arrive. Il faut qu'une crise arrive et on verra bien alors c'est là qu'on va voir qui se révèle, comment les gens se révèlent. Il faut donc avoir ce courage de provoquer une crise politique profonde de façon à voir qui va émerger, qui va sortir de ce marécage. Parce que là, c'est très difficile pour l'instant de prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Je pense qu'on devra prendre parti pour celui qui fédère le plus. Il faut fédérer, il faut rassembler. Et pour l'instant, on est trop divisés. Les Gaulois sont divisés. Va pas. Enfin voilà. Bon ben, je pleure. Il fait un peu froid. Hein. Là, ça y est. Les gelées vont arriver. Regardez. Là, il y a un beau ciel. Pas mal, hein. Test. C'est l'automne, les belles couleurs. Je pense qu'on va avoir une meilleure qualité. Je pense. Après, c'est toujours pareil.
y a des options et bah, avec les, vous savez que le téléphone. Après, on peut peut-être améliorer, affiner, on ne sait rien, avec des options différentes. Mais, là, je suis pas un cadre dans ça. Après, je regarderai, je ferai des tests. C'est la première fois là. On reste avec le mode standard, c'est très bien comme ça. Donc politique, oui, on va parler de beaucoup de politique parce que c'est le sujet. Parce que là on rentre vraiment dans une époque où ça va être très très politique. Les décisions de Trump sont très politiques. Il y a quand même une révolution aux États-Unis qui va être importante. Kennedy, Junior Kennedy, qui est ministre de la Santé, c'est un truc de malade. On va avoir des résonances sur les scandales liés au vaccin, mais ça va être un truc, ça va être mortel. Pour Big Pharma, ça va être mortel. Pour l'ARN messager, ça va être mortel. On va enfin connaître la vérité. On va enfin connaître la vérité sur le Covid, déjà, la nature. D'où il vient vraiment, comment il a été dispersé à travers le monde. On va avoir certainement la vérité concernant les vaccins et leurs effets secondaires surtout. On y revient. Et là, ça va être... ça va faire mal. Hein. Les fameux complotistes, on va s'apercevoir que les complotistes, à nouveau, ils avaient raison. Enfin, pas les baltringues, pas les complotistes illuminés, mais les complotistes raisonnables, quoi. Ceux qui ont senti les choses, qu'on a ignoré, qu'on a marginalisé, qu'on a... Enfin, quand on a catalogué. Ah là là. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des informations qui vont nous arriver des États-Unis. Ça va chauffer. Et puis, le dossier sur Macron. Il paraîtrait que ce dossier pourrait bien le balancer. Et là, ça va être tonitruant sur les morses. C'est pareil que c'est sur ces morses. On imagine de toute façon. Mais beaucoup de gens ont encore les yeux fermés là-dessus. Ils n'ont pas encore compris. Donc on va avoir vraiment beaucoup de choses qui vont nous être révélées. Et finalement, c'est ce qu'on pensait, c'est qu'en fait, on vit une période où les choses vont être révélées et vont pas pouvoir tenir tout caché, c'est pas possible. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, il y a Elon Musk, tout ça, donc l'information sera diffusée. Les gens n'iront plus regarder la télé, ils regarderont les réseaux et puis ils auront l'info. Je vais vous faire profiter parce que c'est quand même... Voilà, la campagne. Une campagne sous son meilleur jour. Écoutez, c'est samedi, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite une bonne soirée, et on se dit à bientôt. À bientôt.
Thank you.